À Saint-Benoît-sur-Mer, le marais se réveille dans un léger voile blanc. Le silence règne en maître. Mais cela ne va pas durer. Car le soleil sort de l'horizon. Cachées parmi les lentilles d'eau, les grenouilles se camouflent à la perfection. Seul leur chant trahit leur présence. Mais malgré ce camouflage parfait, un prédateur rôde dans le périmètre. C'est le héron cendré, un excellent pêcheur. Loupé, ce ne sera pas pour ce matin. Les ragondins, eux, sortent tranquillement de leur trou pour se faire une petite toilette. Mais pas si facile quand les canards colverts ne sont pas d'humeur partageur. Le printemps est aussi signe de naissance, mais pas pour les cigognes, qui n'ont toujours pas fini la confection de leur nid. Les lapereaux, eux, sont bel et bien nés et sortent déjà du terrier. Ils s'alimentent même tout seuls. Quelques bécasses se prélassent au soleil. Que de plaisir après un mois de mars si pluvieux.